Comment chanter comme Bruno Mars? Alors, si tu apprécies cet artiste, ça tombe bien, on va regarder ensemble les techniques qu'il utilise pour chanter dans ses titres. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. Mon métier, c'est d'accompagner justement les artistes à bien chanter et à bien gérer leur voix. Alors, je partage très régulièrement sur cette chaîne YouTube des tutos, des conseils, des astuces pour justement t'aider à bien chanter. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également activer la petite cloche de notification, ce qui te permettra d'être informé à chaque nouvelle publication pour ne rien rater de tous les conseils. Alors, on va écouter When I Was Your Man, cette chanson de Bruno Mars. Voilà, piano, clavier, voix, assez classique. Et on va voir du coup ce qu'utilise cet artiste. Donc, tout de suite, on peut être frappé par la hauteur. C'est aigu. Dans une voix homme, c'est assez aigu. Et Bruno Mars, voilà, c'est une de ses techniques. Il chante dans les aigus. On pourra remarquer qu'on n'a pas l'impression qu'il chante non plus très fort par rapport à d'autres artistes. En même temps, ce n'est pas tout doux non plus, c'est un petit peu entre les deux. On va parler plus tard de cette technique. Donc là, il va passer en voix de tête pour faire ce. Là, il est obligé de changer de mode, hein. C'est très aigu. Et donc, là, ça, voilà, c'est tout simplement la voix de tête sur laquelle il bascule. Donc là, sur le A, il utilise une petite saturation. Ah, il y a ce petit truc-là qui se rajoute dans la voix. Très subtil, mais ça rajoute, ça permet d'attaquer un petit peu la note avec un petit peu plus d'ampleur, quoi. Et on se retrouve derrière avec une voix qui est de nouveau très douce, qui n'est pas effacée, mais qui est là. Et ça nous rappelle Michael Jackson qui aimait utiliser ce genre de technique. Et là, en fait, Bruno Mars chante essentiellement en voix mixte. Alors, la voix mixte, c'est quoi? Ben, ce n'est pas la voix de poitrine, ce n'est pas la voix de tête, c'est une autre voix qui va nous permettre de chanter assez aigu sans avoir le volume qu'entraînerait le fait de rester en voix de poitrine et sans avoir ce côté éthéré qu'on a sur la voix de tête qu'il a utilisé tout à l'heure sur les ouh. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il a très souvent les lèvres retroussées comme ça et en fait, il met ce qu'on appelle un petit peu de twang dans sa voix, ce qui est un des ingrédients en fait de la voix mixte. Alors, la voix mixte, c'est aussi une voix qui est utilisée par Stevie Wonder par exemple, hein, en termes de comparaison si tu cherches des références dans les voix hommes. Donc là, il chante un petit peu plus fort, mais il n'est pas non plus en train de crier. Il y a toujours cette retenue un petit peu spécifique de la voix mixte. Il n'est pas en train de gueuler là dans le micro, hein, très clairement. Et là, il y a des petites vibes sur le We Realize. Une petite vibe. Donc là, on n'en avait pas trop entendu avant dans sa voix, mais on voit qu'il maîtrise aussi bien sa justesse parce qu'il faut, sur les vibes, en fait, enchaîner des notes, un changement de note assez rapide. Et là, Bruno Mars, il n'a aucune difficulté avec cette technique.
Là, il rajoute un tout petit peu de soufflé. Un petit peu de soufflé, ça veut dire qu'on va ouvrir un petit peu plus les cordes vocales et il y a un petit peu plus d'air qui sort. Et là, on va l'entendre dans le micro. Là, il la refait sur Chance. Voilà, alors il n'y a pas énormément d'autres techniques utilisées, c'est déjà pas mal, hein. On a vu de la voix mixte, on a vu du twang, on a vu des petites vibes. Alors si tu as des amis qui apprécient Bruno Mars, bah, vraiment tu peux leur partager bien volontiers cette vidéo parce que ça leur permettra du coup de découvrir les techniques que Bruno Mars utilise. Alors tu sais que voilà, ces artistes américains de renommée se font accompagner, ils travaillent avec des coachs vocaux pour les aider. Et moi justement, j'ai travaillé avec de nombreux coachs vocaux qui m'ont donné leurs meilleures astuces et je te propose de partager cela avec toi directement en fait dans ta boîte mail privée. Alors pour recevoir tout cela gratuitement, c'est encore possible en cliquant juste en dessous dans la description qui s'affiche sous cette vidéo. Tu peux cliquer sur un lien et faire afficher une page. Sur cette page, tu pourras renseigner tout simplement ton prénom et ton adresse mail et ça me permettra de t'envoyer dès demain matin les meilleurs conseils et astuces que j'ai pu glaner auprès des meilleurs coachs mondiaux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de ta voix. Ciao.